Mathieu Strasel qui a essayé de retrouver. Regardez la défense d'Axel Julien pour envoyer sans doute Zachary Rizaché au dunk à deux mains. Il a aussi prendre ces intervalles-là. Il est capable de faire autre chose que rester juste dans le rôle du sniper. Petre Cornelli à 3 points, ouais. C'est manqué, mais John Brown attrapé, est là, s'est nettoyé avec autorité par Kevin Kokila. Cornelli qui a envoyé un petit avion là. Alors voilà, revoit, la, la claque perd le match 2 d'une série de playoffs et de généralement Monaco perd la série. Je ne sais pas si les hommes de Feuilly Photo ont eu l'info, mais là, en tout cas, il attaque en mettant tout dans le cercle. Exactement. Maxime Salache qui va se charger de bosser encore une fois. Cornelli, regardez le rebond offensif de Kokila. Oh, avec la faute. John Brown, attention, ils sont en train de pupiller. Hugo Benitez. Ça joue large. Ouais, on va servir Maxime Salache, bien gêner, sûr. Il va se gêner. On sait que Maxime Salache, il gâche rien. Et le ballon intercepté par Rizaché Dontaoul qui ne regardait absolument pas Elio Kobo. Hugo Benitez qui dépose ce lay-up d'école. Pas de faute, mais le ballon récupéré. Il faut prendre un tir dans pas longtemps. Jaquan Lewis. À 3 points, le step back avec un bloc. La réussite. Là, Jaquan Lewis, il prend la faute, mais. Ouais, il en met trop. Là, il faut être. Regardez la réussite. Ah ouais, là, dans l'axe, comme ça, avec la planche, il faut l'annoncer. Quel tir exceptionnel de la part de Jaquan Lewis. Bryce Brown à 3 points. Incroyable. Bryce Brown, il n'en a pas mis un du match. Il en avait pris un seul, Bryce Brown. Regardez la prise d'appui. Appui alternatif. Non, simultané directement. Et bingo.